tiens, j'ai pris ce bon épisode-là, ce couloir ici, où je voulais presque. Est-ce que ça te comprend, mais on pourrait le pousser vers. Ah non, 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 c'est sublime, c'est magnifique, la haute couture de Paris. Quelle élégance, c'est Coco Chanel, c'est un style qui défile, c'est mademoiselle. Bon, pas de toquet aujourd'hui. On fiche. Quel supplice. Quand ça va démarrer, ça va chauffer. Oh, j'en ai des angoisses, cette collection. Qu'est-ce qu'il va nous faire cette année? Qu'est-ce qu'il va nous créer? Qu'est-ce qu'il va nous pondre? J'en sais rien. Pas des trucs chiants, j'espère. Il dit border des trucs et des machins. Les tresses, il va faire avec des galons. Allez voir. Non ? Bah, si c'est des galons, si c'est des galons, c'est pas trop, parce que tu poses dessus, c'est pas embêtant. Ouais. Mais si c'est des tresses, c'est des incrustations, c'est plus chiant. Bienvenue à Paris, rue Cambon, dans les ateliers historiques de la maison Chanel. Nous allons découvrir du croquis au défilé toute une collection haute couture. Nous suivrons les premières ateliers, Madame Jacqueline, Madame Cécile, Madame Martine, mais aussi bien sûr l'irremplaçable, incroyable, indépassable Karl Lagerfeld. 19, 20. On rencontrera les ouvrières patientes, acharnées, drôles, talentueuses dans leurs gestes, leurs coups de feu. Et Laurence qui va coudre et en découdre. Tout, vous saurez tout du monde de la haute couture. Là, c'est la pure couture. Voilà. Et là, c'est une robe d'hérésie, tulle brodée, ou pas brodée, très, 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 très léger. Et là, il y a un volant légèrement en forme, mais pas froncé, donc coquillé, sur, justement, tout ça, plissé, froncé, pour que ça tienne, qui pousse là, au-delà qu'elle ça. C'est tout pour aujourd'hui. C'est très, très beau, Carmen. C'est très beau. Je vais voir ça. Ce que je teste, c'est quand le téléphone sonne, les choses comme en milieu. Parce que c'est comme la broderie de faire ça. Au fait, je suis que dessinateur. Artiste graphique, comme on dit. Bon courage, Jacqueline. Oui, merci beaucoup. Faites, faites. Voilà, ben maintenant, il faut chercher les nouvelles lignes. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Il m'a mis une pince à l'épaule. Oui, c'est ce que je regardais. Ouais. Oh, non, il faut que je lise ces croquis. Hein. Coller revers, loin du cou, dégager, 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 dégager. Jupe de lainage, fond. Font office de jupon. Bouton plus basque. Plus bas que la taille. Ah, plus bas que la taille. Tu déchiffres pas beaucoup, Karl, toi. Hein? Bon, moi, je suis pas habituée. Hein. Bouton plus bas que la taille. Tailleur noir et robe de satin blanc. Veste. Veste quoi Veste de satin et jupe. Et jupe. Des fois, j'arrive pas à le dire. Il y a de la camelote, hein. Oui, on va encore être c'est l'hiver. Bien occupé. Hein. Alors, ça, c'est mon dos, ça, c'est mon côté, ça, c'est mon dos. Les toiles, c'est pour les proportions, pour les épaules, pour l'aplomb, pour tout ça. Parce que si on commence à les tisser directement, on peut se perdre un peu dans le mou et dans le flou. C'est très dangereux. C'est bien d'avoir un truc structuré qui sert de base, de patron, c'est après détruit, et on coupe les robes. Quand on a la toile, on voit, voilà la proportion, voilà l'esprit de ce qu'on voudrait donner. Et il s'agit de ne pas trop se tromper. Voilà, c'est tout à fait le croquis.
Il faut qu'elle garde les bras en l'air, Martina. Voilà, les bras comme ça. Une main dans la poche et l'autre en l'air, comme ça. Voilà, comme le croquis. Je crois que c'est pas mal. Allez, allez. Oh, ça va plaire. Caroline, la toile est tombée. Si quelque chose tombe du cintre, c'est que ça va plaire. Ouais. Il y a des tas de trucs comme ça dans la couture, tout croissant. Des tas de petites choses, du genre le nœud dans le centimètre, c'est du travail. Renverse une boîte d'épingle, c'est une dispute. Cette part sur votre épaule en disant je m'en fous. Ça fait quoi ça? Eh bien, ça trompe le sort. Ça veut dire j'en ai rien à faire. Ma boîte est tombée, je la ramasse et j'en ai rien à faire. Le premier essayage, on sait jamais. Normalement, bon, ce que j'ai vu est bien. Maintenant, il faut que ça lui plaise. On n'a pas le droit d'erreur, là. Normalement. Sinon, on rectifie. Vu que c'est Lucinda. Tiens, c'est peut-être lui. Vu que Lucinda est chef de la robe. Allô? D'accord, merci. Il est parti de chez lui, je m'en fous. Oh, qu'est-ce qu'il arrive? Alors. Toi, alors, elle qui sait s'organiser. D'accord, donc il ne va pas tarder. Ok, merci Virginie. Bon, il est parti de chez lui, il ne devrait pas tarder. Cécile de Lacœur Cambon. J'appelle parce que M. Lagerfeld vient d'arriver. Je vous en prie, au revoir. Allô? Allô, oui, bonjour, c'est Cécile de Lacœur Cambon. J'appelle parce que M. Lagerfeld vient d'arriver. Je descends. Ah, attention, c'est peut-être lui. Allô? Carl est là? Oui, c'est pour vous. Voilà, Carl monte. Juste pour vous dire que Carl est là. J'appelle parce que M. Lagerfeld vient d'arriver. Ok. Je vous en prie, au revoir. On dit Carl est là. Et c'est parti. Oh. Bonjour Monsieur Carl. Ça va? Carl. Bonjour. On vous laisse partir toute seule commencer? Ah oh bah si vous voulez. C'est quoi, bah, moi ça me gêne pas. Soit maintenant ou tout à l'heure. Les poches sont peut-être un peu trop en avant. Ça, c'est oui, trop à gauche. La veste, je me demande si elle est un peu plus longue, la mienne. Mais tout ça, d'un centimètre, hein? Pas plus, hein? Un petit peu voilà. Plus, oui, comme ça. Pas que ça remonte. Oui, ça, je sais, Virginie. Un chouïa trop long, genre. Les épaules sont vraiment très... Oui, je vais les diminuer. On a oublié le cintre dans la veste. Oui. Je vais les réduire en hauteur. D'accord. Allez, ok. Et ça, tu aimes, Virginie? Non. Moi, je sais pas pourquoi je vois tout gris aujourd'hui. Un chouïa plus marronasse. Chanel à mort. Non, j'avais ça aussi.
Ah non, mais ça, c'est du fa, c'est magnifique. Ça, on va pas être déçu. Blanc et ça, c'est chouette. Je crois que c'est plus beau, ça. Tiens, mets-toi là, toi. Non, mais ça, c'est plus beau. Voilà. Voilà, avec ça, au moins, ça, ça sera net. Je peux emboîter ma pointe. Ça, c'est de la panne de velours. Hein. C'est pas le vrai velours. La panne, elle est couchée. Le velours, il est tout droit. Pour pas qu'il se sauve, parce qu'il est très vivant. Il n'y a pas beaucoup de bruit là quand on dessine. C'est un travail silencieux. Vous pouvez mettre une musique de fond. Et voilà. Mesdames, vous vous dépêchez? Nous avons la robe de mariée à faire. Quelque chose d'immense. Ça, c'est le dessus. Une espèce de cape, manteau très, très large. Ça, c'est le profil, ça. Ça, c'est le devant. Ça, c'est le dos. Et voilà de profil ce que ça doit faire. C'est quand même assez large. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Bon. Voilà. Voilà le paquet. D'accord. Je me suis demandé si j'allais pas déménager la maison entière. C'est superbe. Bonjour. Elle est là. Bonjour. Comment ça va? Je vais pas être aimable, hein. Qu'est-ce que vous voulez voir? Ben, on veut vous voir travailler. Oh, mais je veux pas travailler tout de suite, hein, je suis dans le foin. Moi, j'ai l'habitude de sourire comme ça. Et c'est prioritaire parce que demain après-midi, il pleut. Donc il faut que le foin soit rentré avant. Alors c'est prioritaire par-dessus la maison Chanel, par-dessus tout. Thank you.
Vous, c'est quoi qui vous plaît dans ce métier? Je suis un peu maso, mais c'est peut-être les difficultés. Peut-être que c'est la difficulté. De faire les choses soi-même, de rechercher. On peut toujours mieux faire. J'adore mon métier. Il me le rend bien, hein. Il me le rend bien. J'ai déjà essayé de bourrer mon mannequin quand même pour avoir un peu la forme. Le plus difficile chez nous, c'est que tout est lourd. Il faut des muscles. Je ne suis pas de la prime jeunesse. Hein. Remarquez que si j'étais de la prime jeunesse, j'aurais pas connu Mademoiselle Chanel. Et oui, hein, on a beau faire vous dire, il y a de moins en moins de gens qui ont connu Napoléon. Hein. Oh mince, comment ça se fait? Et j'ai quand même 75 ans, hein, faut pas charrier, hein. Il y en a encore pas mal, hein. En principe, on est au demi-millimètre, au millimètre près, mais voilà. Le placement est peut-être un millimètre bas, à peine plus pointu. En principe, nous, notre rôle, c'est ça, c'est d'être au millimètre, d'être au millimètre. Ça dit un centimètre et demi, hein. Martine, un centimètre et demi, pas plus. Hein. Nous, c'est le millimètre, en principe. Non, ça y est, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Le verdict. Ferme la guinguette. Allez, viens. Plus la différence. La panne, ça fait vite vieux rideau. Hein. Ouais, bah à chaque fois on essaye, à chaque fois on adore, mais non, ça marche pas. Panne nulle. Bah ça y est, ma robe est annulée. Bon, bah tant pis. Dessus en blanc. Dessus en blanc. Bon, bah alors, donc la robe, n'est-ce pas, est passée en satin blanc. On n'a plus qu'à recommencer. Il faut en refaire une autre. Vous avez travaillé combien de temps sur la panne? Une douzaine de jours. Une douzaine de jours. Bon, on recommence. C'est du souci, quoi. Question à 1000 francs. Si on le fait entièrement bien, comment on rentre? On ne peut pas l'ouvrir derrière. C'est parfait, l'effet. Est-ce qu'on pourrait faire à la rigueur une ouverture comme ça? Oui. Hein? Parce que moi, j'avais pensé comme ça, avec un effet blouson dans le dos, et comme ça. Mais moi, j'aime quand ça soit tout en pied. Hein? Donc, c'est pas... Oui. Alors, regardez, posez là. Et si. Donc, ça s'ouvre là. Mets ta fleur, Marie, s'il te plaît. Il faut qu'on rentre. Hein?
Mais elle peut être très ouverte. On peut ouvrir... Sur les côtés, hein. Comme ça. Oui, limite. Mais il faut qu'il y ait du pied de colle qui va jusqu'à ah, là. Oui, oui. C'est ça, on fait oui. ça. Et c'est ce qui est joli, que ça soit le moins possible. Et qu'elle n'ait presque pas les manches, on s'en fout. Hein. Qu'elle soit comme ça et qu'elle, oui. qu'elle aille et là. Que comme ça meure comme ça. C'est ça, exactement. C'est beaucoup plus joli, ça. Hein. C'est beaucoup plus joli. Oh. Parce que sinon, ouais. là, ce qui est joli, ce soit un pied. C'est la robe, ça, je oui, remettez la veste en droit fil dessus. Mesdames, vous allez prendre des forces. Vous les prenez où vous voulez, c'est pas grave. C'est quoi la consommation quotidienne des bonbons ici? Non, non, c'est parce qu'il y a des anniversaires, mais sinon, non, généralement. Mon œil. Ah, mon œil, j'en vois tous les jours. Merci, Martine. Un petit air montant. Mmh. Allez, un petit nougat pour sa colle aux dents. C'est les provisions. Gris-gris. C'est bon pour le moral. Voilà. Et merci à vous aussi. Oh là là. J'exagère, hein. La TVA, tu sais bien, je l'ai mis le 19, donc il leur suit le 20. Ils me mettent 10%. Faut pas exagérer, hein. Donc, c'est l'échantillon. Et puis, quand il me donne la commande, il me donne un tissu comme ça. Vous faites un très beau galon. S'il est à côté du tissu, c'est pas la peine. Vous faites un galon qui est moyen, mais qui fait quelque chose de paf sur le tissu, c'est sensationnel. Et tiens, comment ça? Ah oui, ils sont là. Je vais tout vous expliquer quand même, parce que vous êtes gentils. Quand j'aurai fini d'effilocher, je vais effilocher, en somme, j'ai effiloché cette partie-là et celui-là. J'aurai un nombre de bouts de fil blanc et noir. Et à ce moment-là, ça me donnera le rapport des fils blancs et noirs qu'il y a dans le tissu. Et donc, je ferai mes cordelières en conséquence du rapport. Vous avez calculé combien il y a de fil noir par rapport au fil blanc, quoi. Voilà. Parce que là, il fait plus blanc que noir, mais si on le fait plus blanc que noir, enfin bref, je sais pas. C'est trop compliqué. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous voyez, hein. Pourquoi vous disiez que vous pensez que les jeunes filles, elles n'ont pas envie de faire du galon aujourd'hui? Vous avez vu mes mains? Pour avoir les doigts effilés. Ça m'intéresse beaucoup, les galons. Mais nous, bah parce que c'est une tradition chez Chanel et en fait, j'ai jamais vu faire de galons non plus. Elle a des métiers pour faire ça ou comment elle fait ça? Moi, je l'ai bien découvert, ce métier.
Il y a quelqu'un qui, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 50 ans, j'en sais rien, mais il y a quelqu'un qui découvrira quelque chose de nouveau, c'est obligatoire. Personne n'est indispensable sur Terre, hein. Mais je crois qu'on se donne soi-même les limites. On peut toujours continuer. Regarde, là, toi, tu vas piquer un mandat, là. Oh, ma pauvre mandat. Ben oui. Tu sais, moi, j'ai fait que ça, la collection dernière, alors. Alors, cette collection, je vais essayer de pas la piquer. Si tu bouges, je te fais une péridurale. Oh. Ouais. Ah ah. Ah non, non. Voilà. Oh, excuse-moi. Alors, je viens de me piquer. Amour dans le travail. Bonsoir, Karl. Qu'est-ce qu'il est beau, Karl. Ouais, moi, ça c'est bon. J'ai deux robes l'une sur l'autre. En crème blanche. Donc, mais voilà. Est-ce qu'on fait les deux de la même couleur? Ah non. Peut-être, ah bah non, justement, parce que si. Il faut qu'on voie la différence entre. Il faut qu'on voie la différence. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Mais non, celle-ci. Celle-ci, elle est blanche. Elle est donc là, c'est non, celle-ci. Non, non, au contraire, il faut faire celle-là claire. Hein. Voilà, oui. C'est ça. Parce que sinon, il y a la transparence. Voilà. Ok, c'est blanc dessous, noir gardé. Exactement. D'accord. Ok, parce que. Au revoir, messieurs, dames. On est mal barré. On est mal barré. Dessous noir, dessous blanc. Oui, on va le garder. Je vais lui mettre ça à sa place parce que sinon, elle va continuer à passer les fils. C'est pas possible. Oh non. Ah, c'est pas possible. C'est tous les jours la surprise. Je vais les aligner, les petits mots, Martine. Dessus noir, dessous. C'est le contraire. Oh, j'ai du mal à trouver mon chemin à cette année. Oui, mais je crois que c'est un petit peu tout le monde. Ah ouais? Ah oui. Bonjour Karl. Tu passes tout dans le col, donc.
Ça descend, ça descend. Je crois que c'est bon. Les formes, ils sont. C'est ravi, ça, Martine. Hein? Bon, on l'a refait comme ça. Oui, oui, exact. Voilà. Mm-hmm. Attends, attends, regarde. C'est une robe calme. Calme. Il faut casser vous. Un peu la baraque. Mm. Hein. Alors, bon. Vous savez ce qu'on va faire? On fait ça et cette pente-là, on la brode. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Voilà. Bah écoute, il est là. Il y a une pince là, je sais pas si c'est utile. Oh là là, je suis contente, mes doigts ils sont déjà. Ils crient déjà de bonheur. Je trouve mon crochet. Bon, je vais passer, les gars. Et. Chanel a besoin de moi, les gars. Attends, je vais mettre mon tabouret de l'autre côté à venir. Là, tu contournes, tu commences du milieu là. Ouais. Tu contournes, tu viens ici et tu fais la tige et tu t'arrêtes. Le pain n'est pas rendu. Je suis. Attends, je vais mettre mes cheveux dedans. Ah ouais, moi aussi je mets un cheveu. Ah ouais, quand il y a des jeunes filles célibataires qui travaillent sur une robe de mariée, elles mettent un de leurs cheveux dans la robe. Elles brodent un de leurs cheveux, puis normalement... Elles sont mariées dans la nuit. Normalement, elles se marient, mais bon, ça fait 8 ans que je suis là, moi, ça fait 8 ans que je mets des cheveux. Ça fait 8 ans qu'il On a l'impression que les jours se... et en même temps sont très petits. Écoute, ils n'ont jamais le temps de manger. Je piquerai ma crise si je m'écoutais. Pour le poser. Sans prévenir, j'aurais dit que les moyens sont en pièces détachées. À coup vous, à coup moi. Tranquille, ça y est. Oh. Ça, rapidement comme ça, enlève-le. Bravo. On est quand même à 4 jours, on n'est pas à 2 jours. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais je sais. 4 jours. Il y aurait des petites souris qui grignotent. Ouais. Bon, bah, à mon avis, on est bon pour la pizza. Hein. Toi, je nage dans le soir. Je crois qu'on a toutes eu un coup de pompe en même temps. Là, mmh. Parce qu'on était bien et puis là... On est toutes tombées, ouais. Oh, sauf elle, toujours. Ouais. C'est terrible, on rigole pour rien, c'est même pas la peine. Ça, c'est la fatigue. Ah. Moi, je dis rien. Hein. Si, avec le truc sur le dos. Amen.
le peloton de Charleroi à Namur, 197 km, toujours sur les routes de France. Merci Guillaume, tout de suite on retrouve le journal et on reviendra bien sûr sur la victoire de la... Vous avez fait beaucoup de nuits blanches déjà? Depuis qu'ils ont commencé à me donner les galons. Ça fait 15 jours que vous ne dormez pas? Bah, je dors 2 heures, tu sais. 2 heures par nuit, quoi. Vous n'êtes pas épuisé, là? Non. Comment vous faites? Je vous ai dit qu'on se donne... On n'a que les limites qu'on se donne. Ah ouais, non, maintenant, mais il est beau, hein. Une équipe géniale, et même Pouzieux, génial aussi. Hein. Alors, on met du galon ici, on en met au milieu d'eau et on en met aux côtés. Comment ça? Et comment? J'espère que vous... tout le monde sera au poste. J'ai un chemin, mais ça se voit pas. C'est le sol qui n'est pas grand. Mais là, il n'y a rien à faire, on ne peut pas. Parce que le problème, c'est qu'on est tributaire de ces foutues lignes, on n'a pas de manche, on peut pas tricher par là. Oh, puis c'est Amanda encore qui est mal faite, avec ses omoplates et avec ses épaules. À ton idée. Oh mon Dieu! Ah, dessus, en plus. Normalement, il faut sucer tout de suite un bout de fil. Oh merde! Va le SAMU! Et elle, je la vois pas dans la robe blanche. Oui, mais attends, du coup, peut-être que. Appelle Martine pour la robe blanche. Il est là. Oui. Oh, j'étais malade. Mais c'est pas pour mon doigt, c'est. C'est un muche au fou dehors. C'est la robe qui est demandée en bas. Oh, la mince! Non! Oh, c'est pas possible! On s'est dit qu'il est passé d'un haut! Si Carl y voit ça, le sang. C'est bien, Anita, vous êtes douée! N'est-ce pas? Très douée! Dis donc, ça part, regarde! Voilà, regarde d'un haut! Merci, Anita, vous m'avez sauvée! Excusez-vous! Attention sur les tréteaux. C'est les lampes qui vont geler. On va les mettre avant les lampes. Ce n'est qu'un au revoir. Ah, c'est chouette quand même. C'est très, très joli, très mignon. Allez, vous pouvez lui dire au revoir maintenant. Voilà. Oh merde. Ça, je le voyais. Il serait fou, le pain. Ah oui, elle est trop longue. Donc, faut qu'on se raccourcisse. Et comme le... Et comme tout est fait, on n'a pas d'autre choix. Mmh. Et hop, on va se raccourcir. Mais ça va être une journée très, très lourde. Très lourde. Allez, vas-y, Natacha. C'est bon. Carl, Agatha. Carl, je vous présente Courtney. Elle sort pas comme ça, là. Comment elle est habillée? Alors, ça monte de partout, non, mais après, ça sort. Il faut vraiment la ramener sur l'avant, hein. Mais oui. Avec la petite malle, c'est ravissant. Voilà. Voilà, très bien. C'est joli.
Bon, j'ai repris deux sucres, ça fait quatre sucres. Ça va barder tantôt. Tu manges deux yaourts ? Oui, avec deux sucres à chaque coup. Lily, sois tranquille, je mange bien. Je suis bien. Je vais bien. Oui, c'est très bien. Bon, bah on n'est pas bien là. Alors là, vous voyez, c'est, là, c'est la pure couture. Je suis inquiète pour ce soir. Toi, t'as la hantise qu'on passe la nuit. Oui, j'ai la hantise qu'on passe la nuit. C'est ton slogan depuis trois jours. C'est ma hantise. Je ne passerai pas la nuit. Si je travaille jusqu'à 3 heures du mat, moi je vais aller voir Carlos, hein, je vais lui dire. Hein. Ah non, je veux pas que tu travailles jusqu'à 3 heures. Eh ben, ce sera à cause de lui. Qu'est-ce qui se passe là ? Bah, ça fait 10 minutes qu'on me dit qu'on descend avec la mariée, il n'y a toujours personne. Je vais clignoter. Je ne sais pas s'il y a des épingles. Non, non, la même façon. Allez, on y va, Martine. Alors, on se met en bas. Oh, merde. Oh, my God. C'est joli, ça. Oui. C'est boulot. Oh, ma sali ma robe! Attends. Et alors, il faut pas qu'il y ait trop de pâté. Il faut rien mettre dedans, là, c'est des poules. Oh, j'ai une autre idée. Ça, c'est qu'est-ce, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Elle est chaude. Vous pourriez nous filmer toutes les deux, Chantal et moi? C'est notre dernière collection. Chantal aussi? Chantal aussi? Non, mais pas tout de suite, Chantal. C'est la qui, Chantal? Ouais, c'est la dernière collection. Viens là, ma petite chérie. Viens là. De survie, toi. Et ouais. Et oui. Allez. Voilà. Deux anciennes. On aura donné toute notre jeunesse à Chanel. Bon, allez, ma fille, ça y est, je peux plus rien pour toi. Ça te plaît pas? Non. Oui, bah, j'ai du mal à le mettre. Je sais vraiment pas comment mettre ça. Bon, bah, sur elle, je ferai le drapé. Bah, tu vas, oui, à l'allure où elle va passer, bah, tu vas bien, me dire, tu ma pauvre. Ça va durer 5 secondes. Voilà. Super. Ça, c'est l'argent. Thank you.
Ça ne peut pas être dessus, c'est pas possible. Non, tu peux y aller. Oui, oui, attends. Ah, tu m'entends. Attends. Michel. Ok, ouais, j'ai mon micro est écouté. 4, 3, 2, 1. Top Michel. Ah ben voilà, en plus c'est notre petite un paquet de fossiles. Hein. Elle est mignonne comme tout. C'est un balai, c'est un Noceda. Elle se balade avec son Noceda. Hein. Rien la bague, rien la bague. Hein. C'est curieux, tu te rends compte un peu? Je me lève pour voir. Quand je pense à tout ce qu'elle a en dessous, comme pli, en longueur, en largeur, le travail que c'est, et c'est tout caché. Ah oui, oui, c'est bon. Vous y voilà. Ah. Oh, comment elle a mis son col. Regarde comment elle a mis son col. C'est un peu de travers. Bah oui. C'est que des bandes. Oh. Dis donc, j'avais pas imaginé le col comme ça. C'est une trouvaille. Mais c'est pas mal non plus. Ah, ah voilà, oui. Bah oui. Je me sens un peu responsable. Ah, celle-ci, je l'ai emmenée loin. Oui. Celle-ci, c'est. C'est ma panne annulée. Quoi. Voilà, celle de Dao, là-bas. Oh là, va de la bimille, regarde-moi ça. Oh. Le lendemain, mon mariage. C'est malheureux quand même. De dos, j'ai dit. Il est vrai que quand tu rentres dans une soirée habillée comme ça, ben, écoute, je la voyais dans la lumière tout à l'heure là-bas. Je vous ai dit qu'on se donne, on n'a que les limites qu'on se donne. Fantastic's overused. It was appropriate here. Fantastic.
rentrer. Hein. Vous êtes en première page du Figaro en plus. Il est pas si dégueulasse notre ourlet, en fin de compte. Bah non. Hein oh. Ça, franchement. Fallait pas regarder à l'intérieur. Oui, mais enfin. Les attachettes. On voit rien. Merci. Je vais de suite. Allez, au cinéma. J'ai une petite dame qui part en prêt. Qui aimerait une photo avec vous. Très bien, avec plaisir. Ça serait possible. Ah, ben sur quelle robe vous avez travaillé en dernier? Ah non, c'est celle qui devait passer au dossier de presse, qui est en satin et dentelle. Ah bon, mais je vous ferai un dessin de cette robe-là. Comme ça, bah, hein, merci beaucoup. Comme ça, vous avez un dessin de la dernière robe sur laquelle vous avez travaillé. Je vous remercie, mais vous n'allez pas vous embêter. Il y a 43 ans que je travaille. Et vous vous rendez compte? Oui. Et moi, c'est assez lourd. Et moi, il y a combien d'années que je travaille? Oui, ne comptez pas. Oui, il y a presque 53 ans. Oui. Et j'en suis pas lassé. Hein. Hein? Ça préserve, vous voyez. Ah oui, voilà. Il faut refaire tous nos patrons propres. En plus de ça, il va falloir les élargir de beaucoup, parce que ça, c'est prévu pour une taille mannequin, bien sûr. Et nos clientes ne sont pas toujours taille mannequin. Ma chérie, tiens, ma chérie. Ça, j'aime bien, vous voyez, par contre. Comme ça, entre ma deux. Crée-t-il. Allez, à la collègue. À la vôtre. Tout va bien.